Depuis le 30 décembre, les salariés des très petites entreprises peuvent voter pour les élections qui les concernent directement. Je rappelle que par ces élections, quand vous choisissez de voter pour un syndicat, vous vous donnez des garanties pour que demain vous puissiez, par exemple, avoir accès aux activités sociales et culturelles ou avoir des phases de préconciliation si vous avez un problème avec votre employeur. Je sais que ce n'est pas toujours facile de voter par Internet. Certains rencontrent des difficultés. Je voudrais simplement leur dire que s'ils n'y arrivent pas par Internet, ils peuvent toujours voter par correspondance. Vous pouvez faire le choix entre plusieurs organisations syndicales. Si vous êtes attaché à un syndicalisme de terrain, un syndicalisme qui ne s'intéresse qu'aux salariés en tant que tels, qui n'a pas l'intention d'être un parti politique, qui est réellement libre et indépendant, alors votez Force ouvrière. Que vous soyez salarié dans une boucherie, une boulangerie, un garage, un clerc de notaire, assistante maternelle, un coiffeur, etc., ces élections vous concernent. Nous comptons sur vous. Plus de voix pour FO, c'est plus de voix pour vous.